Je dis un poème pour tous les citoyens. J'espère être entendu, même de loin, même demain. Demain tendu pour un refrain, des mots d'enfance, ce n'est pas rien. La liberté, c'est beaucoup de choses. La liberté d'expression, c'est autre chose. Respecter, dire nos pensées, ce que l'on veut, comme un souhait, comme un vœu. Ça y est, Marianne a fait sa révolution. On va pouvoir en faire toute une chanson. Pour son droit à la résistance et à son indépendance. Son héritage est notre récompense. Sans aucune méfiance, entrons dans la danse. Ayons confiance en notre belle France. Avec son bonnet phrygien, elle commande tout de sa main. On en parle dans les écoles. Marianne est un symbole. Vive les droits de l'homme. Notre opinion est importante en somme. Combat contre l'oppression. Reconnaissance ultime. Simone Veil, veille au Panthéon. Digne sommeil. Ses idéaux résonnent à nos oreilles. J'utilise un poème pour tous les hommes. Les hommes avec un grand H. Les femmes ne sont pas forcément at home. La parité n'est pas un jeu de cache-cache. Le drapeau bleu, blanc, rouge. Et maintenant c'est fini. On passe à Olympe de Gouges. Durant toute sa vie, elle défendit les droits des femmes. L'égalité et la démocratie ne sont pas des mots infâmes. Respectons l'égalité des chances. Ne discriminons pas les différences. L'esclavage a vécu, mais pourtant on n'en parle plus. 27 avril 1848, ils ont brisé leurs chaînes, et ce n'est pas un mythe, ils étaient libres et sans haine. 27 avril 2022, les chaînes ont disparu, mais pas les différences. 1 plus 1 ne font pas toujours 2, laissons place à la tolérance. On ne doit pas nous diviser, ce serait égal à nous différencier. Homme plus femme pour nous c'est égal, une addition qui nous est vitale. Je dis un poème à la communauté afin de faire appel à sa générosité. En soutien le collectif, l'exclusion c'est négatif. Ne faites pas l'autruche, faites plutôt comme Coluche. Soutenez les restos du cœur, cœur de pierre, n'ayez pas peur. L'abbé Pierre, lui en Suzère, a offert un toit, un espoir, une lueur. Nous, au collège, on se serre les coudes. L'entraide, le partage et l'amitié nous soudent. Jamais de coups, mais de coups de pouce. L'harmonie, c'est l'affaire de tous, c'est quelques mots pour vous. Égoïste. Soyez un temps, soit peu altruiste. La terre est peuplée d'êtres humains. Tous ensemble, on va plus loin. La solidarité doit être un combat quotidien. C'est pour elle qu'on se lève tous les matins. Je dis un poème à la jeune génération. N'éteignez pas la flamme éternelle. Des soldats ont quitté leur maison pour aller affronter une mort cruelle. Ne perdons pas de vue leur immense sacrifice. Rendons leur hommage, célébrons l'armistice. Monuments, statues et autant d'édifices honoreront le drapeau qui l'on hisse. SOS des Français en détresse. De Gaulle appelle à la résistance. Des heures sombres ont obscurci la France. Notre cœur est rempli de tristesse, mais un jour d'été au-delà de la Manche, l'appel du 18 juin a résonné dans leur tête, amené par une colombe blanche. Les plus vaillants se sont retrouvés sur la crête. Gloire aux anciens combattants qui nous ont tracé le chemin bordé de bleuets florissants et de coquelicots venus de loin. Symbole d'un paisible destin, rassurez-vous, nous en prendrons soin. Le monument aux morts à Noyon, la nécropole de Montdidier, l'arc de triomphe à Paris, le devoir de mémoire nous a réunis.